c'est Caroline, alias Épaulette. On se retrouve aujourd'hui enfin pour un podcast créatif. Je crois que c'est numéro 8, mais j'en suis pas sûre. Donc, c'est celui qui sera écrit dans le titre. Ça fait un mois qu'on s'est pas vu pour un podcast créatif. Ça fait super longtemps. J'ai pas eu le temps. Ça a été un mois assez compliqué, donc depuis novembre jusqu'à mi-décembre, enfin ça fait même un mois et demi. Un mois et demi, parce qu'aujourd'hui on est le 16 décembre et je sais que j'avais fait un podcast créatif la première semaine des vacances d'octobre. Et j'avais dit, ah je ferai un podcast, donc j'avais fait ça. Ensuite je me suis lancée là dans mon manteau pendant mon cours de couture. Donc je l'ai sorti des podcasts créatifs et je lui consacrais qu'une seule série. J'ai fait le premier épisode, je le mettrai en lien là-haut pour celle que ça intéresse. Donc voilà, c'est une vidéo qui a beaucoup plu, je suis super contente parce que elle est moins regardée que les autres forcément. Mais tout le monde a été vraiment satisfait et m'a dit ouais, j'ai découvert plein de techniques que je connaissais pas, je peux pas aller en cours de couture, donc du coup bah merci de me faire partager tes expériences. Donc voilà, j'étais super contente et je vais continuer sur cette lignée là. Demain j'ai cours de couture, donc enfin aujourd'hui on est mercredi, mon cours est jeudi, donc demain soir j'ai cours de couture et je pense que je ferai un update vendredi. En fait vendredi je me filmerai parce que en ce moment j'avance pas trop, mais voilà, j'ai expliqué pourquoi. Et en fait j'y mettrai à la suite. Et quand on arrivera vers une demi-heure, ben je publierai. Voilà, sachant qu'en plus demain on va pas trop faire de couture parce que vous le voyez, là il y a ma crèche, c'est Noël. Elle est belle hein, ma crèche, c'est une crèche Playmobil. c'est l'ancienne version. Voilà, mais la nouvelle ressemble très très fortement. Voilà, notre village de Noël aussi, c'est pareil, c'est Playmobil. Et s'il fait pas trop dégueulasse, à la fin peut-être que je filmerai un petit peu notre déco de Noël Playmobil. On aime bien, c'est marrant. Voilà, donc j'allais pas tout retirer parce que tous les petits personnages, les petits gnagnas, il faut les mettre, donc je n'allais pas le retirer pour la vidéo. Tant pis, on saura que c'est celle de Noël. De toute façon, aujourd'hui j'avais envie de faire pas une vidéo un peu particulière, mais enfin une vidéo un peu plus cool quoi, pour revenir. Donc qu'est-ce qui a changé en fait entre le mois d'octobre et maintenant, parce qu'il y a eu quand même un changement, ce qui fait que voilà, on était coupé dans le rythme. En fait j'ai repris des études, enfin j'ai un diplôme et tout quoi, genre, mais j'ai repris des études dans un domaine qui n'a rien à voir, puisque je me suis inscrite au conservatoire de musique, donc c'est pour ça que j'ai un rythme un peu décalé et j'aimerais bien passer mon diplôme, enfin mon diplôme, enfin le premier diplôme de musique, un gros diplôme professionnel. Voilà, après est-ce que je vais aller jusqu'au bout, est-ce que j'aurai le niveau en fin d'année pour continuer l'année prochaine, est-ce que j'aurai pas trouvé un poste qui me convient dans ma branche professionnelle d'ici là, on ne sait pas, mais en attendant je fais ça et je suis super épanouie dans ce que je fais, mais ça me prend énormément de temps. Ça explique en fait, enfin déjà mes journées, en général j'ai pas cours le matin mais j'ai cours l'après-midi et le soir, donc les soirs je suis jamais chez moi avant 21h, 20h30 le mardi, et le lundi soir j'ai rien, mais c'est ma seule journée libre, et sinon après tous les après-midi j'ai des cours, et notamment là le mercredi c'est la pire journée parce que je pars de chez moi il est midi, je rentre il est 9h30 et en fait je me suis pas arrêtée deux minutes quoi, j'ai même pas d'intercours et tout, donc puis bon, c'est même pas, enfin les cours sont assez intéressants, enfin ça m'intéresse à fond quoi, mais c'est super fatigant, d'être là puis jouer de la musique, de jouer de son instrument et tout, ça demande énormément de concentration. Je ne dis pas là à me plaindre parce que dans mon ancien travail j'en bavais énormément et je faisais des énormes journées,
Donc voilà, c'est pas la même fatigue, mais c'est quand même de la fatigue. Et je pensais pas que ça me serait autant chronophage et que ça me prendrait autant de temps. D'autant plus que c'est pas parce que. Enfin, le matin, je vais. Enfin, l'après-midi, j'ai cours, mais le matin, il faut que je travaille mon instrument, il faut que je travaille mes cours, il faut que voilà, je prépare mes devoirs. Donc, du coup, c'est assez compliqué, c'est assez chargé. Et ce qui n'arrange pas la chose, c'est que mon copain, dans son travail, part en déplacement toutes les semaines. Donc, en fait, le week-end, quand il est là, ben. Enfin, il est là tous les week-ends. Hein. C'est rare qu'il revienne pas. Mais bon, quand il a les week-ends, ben, on fait autre chose. Et du coup, ben, le tricot, ça passe un peu à la trappe. Donc, je vais pas non plus filmer le week-end, etc. Avant mon plaisir, c'était de me mettre devant Hanouna, regarder TPMP avec mon tricot et rigoler et tout. Et ça, c'était vraiment mon moment de la journée. Et là, je peux plus faire quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Je tricote vite fait dans des séries. Mais voilà. Bah, d'ailleurs, j'ai dit que dans chaque podcast créatif, j'allais dire devant quoi je tricotais. Je sais pas si je le dis maintenant ou pas. Allez, tant qu'on y est. Donc la série que j'ai regardée là en tricotant ces derniers temps, on regardait avec mon copain, puisque mon copain était là ces dernières semaines, hein, ces deux dernières semaines, c'est The Americans. Donc elle est disponible sur Netflix. On regarde sur Netflix parce que oui, Adopi existe encore. The Americans, donc c'est l'histoire d'espions du KGB pendant la guerre froide qui sont installés aux États-Unis et qui sont totalement infiltrés dans la population américaine. Et c'est super. Au départ, les deux premiers épisodes, on a eu un peu du mal à accrocher. Parce que c'est pas. Déjà, c'est pas le genre de truc que moi j'aime particulièrement regarder. En plus, les histoires de guerre. Enfin, qu'elle soit froide ou de guerre, de tranchée, je ne sais quoi, ça me. Voilà, j'aime pas du tout regarder. Mais en fait, c'est hyper intéressant et ça fait prendre conscience de plein de choses de l'histoire qu'on a peut-être lues en cours. Et en fait, là, c'est imagé. Alors, certes, c'est romancé, mais je pense qu'on n'est pas trop loin de la réalité. Et apparemment, la deuxième saison n'est pas disponible aux États-Unis. Ça me surprendrait qu'à moitié parce qu'il parle justement de contre-espionnage, enfin de personnes du contre-espionnage qui se sont fait retourner contre leur propre pays. Et en fait, ils parlent aussi des technologies, des avions. Oh, bah, j'ai oublié le nom. Enfin bref, des avions qui n'étaient pas détectables en fait. Donc les Russes couraient après ça. Enfin bref, on est vraiment à fond dans la série. Des fois, ça manque un peu de dynamisme, mais en fait, on est pris dans l'histoire et on se demande vraiment ce qui va leur arriver, jusqu'où ça peut aller. Et en fait. Bah, on se rend compte qu'il n'y a finalement aucune limite quoi. Et du coup, c'est assez bien. Voilà. Et là, du coup. Alors là, je suis en train de finir aussi Desperate Housewives, parce qu'ils passent tous les matins sur M6. Donc j'ai pas le temps de regarder, mais je les enregistre. Mais en fait, comme. Enfin bref, mon copain avec son téléphone, il est chez SFR et donc il a l'extra offert, donc il a pris Zive. Et à la fin de la saison est dessus, parce que j'avais jamais vu la saison 7 et 8. Donc, de temps en temps, je regarde Desperate, mais je comprends pas tout. Donc, voilà, quand je tricote avant d'aller en cours. Et sinon, là, j'ai commencé un machin au paradis. Je sais plus comment il s'appelle. C'est une série sur Netflix aussi, et c'est sur les magasins au temps de la Belle Époque en Angleterre. Mais là-dessus, j'ai 10 fois préféré Mr. Selfridge. Qui est en fait la naissance des magasins Selfridge, Selfridges en Angleterre. Donc voilà, ça c'était super cool. Et j'ai l'impression que le machin du paradis, là, je sais plus comment ça s'appelle, franchement je mettrais le titre en bas, mais il y a paradis, parce que le magasin s'appelle le paradis. Voilà, ça m'a l'air d'être un peu le même topo. En plus, ils écrivent que sur Netflix qu'il n'y a eu qu'une saison qui a été tournée, et déjà au bout de 10 minutes, enfin même pas 10 minutes. Ouais, 10 minutes on va dire, tant que personnage, enfin voilà, se déambule, arrive au paradis. Là, il croise le regard du gérant et là on se dit bah voilà, ça va être un amour impossible entre les deux et ça va être plein de rivalité et tout. Donc bon, du coup, enfin, je pense que je vais continuer parce que voilà, c'est une série un peu tranquille et que si t'as raté pendant 15 jours, tu vas savoir te remettre en tête.
Mais voilà, c'est pas trop la série du siècle. Et on a regardé aussi Jessica Jones avec mon copain. Et c'est super nul. On s'est trop ennuyé. L'acteur qui joue le méchant là, qui joue aussi dans Broadchurch. Moi je sais pas le nom des acteurs et ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est people, je suis trop nulle. Mais bref, donc cet acteur-là, là, il joue trop bien et tout. On va dire, c'est un truc de dingue. En fait, même pas, ça se finit. Franchement, il pourrait même pas, enfin, ne pas y avoir de suite et que ça changerait rien à ma vie, quoi. Je me dis, bah, ah, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Ça pose des questions quand même, mais. Voilà. Du coup, un peu dégoûté. Beaucoup de blabla pour rien. J'ai dit, on va, je vais rien regarder pendant 15 jours. Ouais, parce qu'il fallait aussi que je tourne aujourd'hui. Parce que samedi, c'est les vacances de Noël. Et nous partons dans ma belle famille. Donc moi, j'habite à Lille. Hein, donc on fait... Chut. Alors en fait, je sais pas comment elle filme la caméra. J'ai jamais fait attention. Je crois que c'est comme ça. Chut. Enfin bref, non, comme ça. Chut. On va dans le sud-ouest, donc là où il y a ma belle famille. Donc on y va pendant un peu plus d'une semaine, presque 9 jours. Du coup, on va pas être beaucoup à la maison. Après, on s'en va une journée à Londres. Après, on a une journée tranquille. Ensuite, c'est le 31 décembre et ma meilleure amie nous a proposé d'aller faire avec eux. Donc on va faire le 31 décembre chez elle. Mais c'est assez loin de la maison. Et le premier, ben voilà, on fait avec mes grands-parents, machin, gros repas. Et le 2, on fait le Noël qu'on n'a pas pu faire du coup tous ensemble dans ma famille. Avec mon filleul, etc. Et le 4. Donc le 3, on va digérer. Et le 4, on retourne en cours. Je crois que c'est le 4, hein, le retour. Sinon, ben, tant pis, on digérera quand on ira en cours. Voilà. Non, peut-être là, c'est le 3, la rentrée. Moi je sais même pas. Enfin bref, donc vous voyez, ça va être encore le gros bazar, donc je vais pas faire grand chose encore. Ici, on passait au tricot. Quand même, maintenant. Non, mais en fait, je voulais vous expliquer ça parce que voilà, je suis encore tiraillée, donc qu'est-ce que je vais prendre là-bas pour le faire, etc. Mais je vais vous expliquer. Donc, premier truc, j'ai fini. Ah, j'ai oublié le bonnet. Bon, je vais le chercher. On dirait une poupée quoi. Non? On dirait une poupée russe. C'est là qu'on voit mes dreams. Voilà, en plus j'ai pas mon fat boy aujourd'hui parce que en fait on l'a rangé. Parce que il est à la place du sapin d'habitude. Et voilà, j'ai fini ça. On dirait une poupée, c'est trop mignon. donc j'ai fini le modèle arachné de Leti Panda que j'avais fait en test. On devait terminer pour le 8 novembre ou le 6 novembre, donc du coup j'ai terminé. Enfin voilà, il y a plus d'un mois. La couleur en vachement bien en fait. Alors je l'ai fait en laine cheval blanc, je sais plus quoi, acrylique, 100% acrylique, mais c'est sur mon contre-avalerie. Polaire, je crois que c'est de la polaire. Et dedans, j'ai mis un petit fil brillant. Voilà, parce que je trouvais que tout orange. Voilà, comme ça, il brille un peu. Waouh, il est bien le point là. Voilà, je trouvais que comme ça lui donnait un peu de relief à cette laine. C'était un modèle. Non, parce que la dernière fois j'en avais parlé, mais j'avais pas expliqué. Ouais, en fait, je suis allée chercher de la laine à la laineière de Oisem. Parce qu'en fait, quand elle a donné le départ pour le test, en fait, il y avait une semaine ou une semaine et demie, peut-être maxi 15 jours, mais pour moi ça retombait pas bien, donc ça me faisait pas beaucoup de temps pour trouver de la laine. Et j'avais pas de la laine qu'il fallait pour faire l'échantillon. J'avais dit que j'allais faire un test et tout. Mais c'était pas du tout concluant. Je crois que c'était avec la Marzipan et la Baïm. Mais il me semble que je vous avais montré, mais je suis plus sûre. Donc du coup je suis allée à la laineière de Oisem et je savais pas trop quoi prendre. Et dans les laines
belles laines, enfin les laines qui ont de la laine. Il n'y avait rien qui me plaisait en fait dans les coloris. Et il n'y avait rien qui allait non plus en termes de grosseur. Donc du coup, je me suis dit acrylique, pas acrylique. Je me suis dit après tout, quand c'est un bonnet, en général c'est fini dans les poches, dans machin, dans le truc. Donc du coup, j'avais pas trop eu de scrupules. Et je dois dire que honnêtement, celle-ci ne gratte pas du tout. En plus, il me semble que j'ai payé même pas 10 € les 6 pelotes du coup. J'ai pris 3 pelotes de chaque. Donc honnêtement, c'est vraiment rien. Il y a une dame même, elle m'a dit, ah, elle est belle votre couleur de laine et tout. Dans le métro. Donc voilà. Donc Arachné, j'étais trop contente de le faire. Donc c'est sa spécificité, lui, c'est qu'il a un... J'avais un fil qui passe. Sa spécificité, c'est qu'il a un gros bord-côte. Parce qu'en fait, il est doublé, mais il n'y a pas de couture. Là, on voit que mes fils sont rentrés à l'arrache. Mais voilà, il n'y a pas de couture et en fait, il est double. Donc, ce qui fait que quand on le met, c'est vraiment très épais, quoi. Vraiment très épais et on n'a pas froid du tout aux oreilles et ça prend bien les oreilles, quoi. Voilà. Que dire d'autre sur ce modèle? C'est un point araignée, un peu comme ça. De l'araignée, j'adore, avec la tresse essonienne, j'adore. Donc moi la tresse essonienne, j'ai fait la version où on rajoute un rang en verre dedans pour qu'elle soit un peu plus large. C'est complètement facultatif, hein. Si vous savez pas de quoi je parle, bah, le jour où vous voudrez faire une tresse essonienne, vous retomberez sur son tuto et du coup vous comprendrez ce que je veux dire. Et du coup j'ai adoré, enfin je trouve que ça finit vraiment le bonnet et c'était une super idée, quoi. Super idée. Le seul truc que moi j'ai rencontré, c'est que au-dessus là, en fait, j'ai fait un autre bonnet après, je vous montrerai, mais en fait, il s'avère que j'ai une petite tête. Enfin, en fait, j'ai un gros tour de tête, mais elle n'est pas très profonde. Mais elle est bien faite. Et donc, du coup, les hauteurs de bonnet, en fait, tout est trop grand. Et comme c'était le premier bonnet que je faisais, je savais pas. Et donc, du coup, si je continuais à faire comme elle le préconise, mon bonnet il aurait été vraiment slouch là et moi j'aime pas trop, donc du coup j'ai rabattu un peu plus vite, donc c'est pour ça qu'il a un effet un peu en étoile là, mais en fait quand je le porte ça se voit pas. Voilà pour le tour de cou. J'ai fait le double, je pense que j'aurais dû faire le simple parce que à la fin j'en avais un peu marre de faire ce point qui est pas du tout compliqué. Le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous décidez de le faire, c'est de bien regarder le point. Parce que, en fait, dans l'explication, c'est vrai que c'est assez compliqué à retranscrire. Voilà, il faut bien comprendre qu'il y a une maille qui passe derrière une autre, en fait. Voilà, ça doit s'appeler un point étoile d'araignée, je crois. Voilà, donc du coup j'en suis super contente. Finalement c'est aussi très chaud. Et voilà, je suis contente de mon acrylique cheval blanc. Comme quoi on peut avoir des bons produits à des prix plus que corrects. Et c'est un peu ça d'ailleurs que je reproche à Fil d'Art et Bergère de France, c'est que leurs fils en fait sont chers pour la matière alors utilisée, alors qu'en fait à la laineur on peut trouver des laines de qualité équivalente mais à un prix deux fois inférieur. Donc voilà, donc c'est pour dire que je suis contente. Bon, maintenant je vais le retirer parce que j'ai un peu chaud, mais super projet. Et en plus comme d'hab chez Mélina, ben, le patron coûte pas cher alors qu'il y a les deux dedans. Moi c'était une version, elle a sorti tous les ensembles là pour l'automne, enfin d'automne début de l'hiver, et moi c'était une version où il n'y avait pas de mitaine. Voilà, mais je crois que, je sais pas si j'ai déjà dit, mais j'aime pas les mitaines parce que je vois pas l'intérêt, parce que quand moi j'ai froid au bout des doigts. Donc il faudrait que je fasse des moufles, mais j'ai pas envie de faire des moufles. Donc je fais rien. Voilà. Mon café est-il un peu plus froid? Oui, bon. Il est 10h05. Fini mes études en plus pour cet après-midi et j'en vais dîner. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon allez, je passe tout de suite le truc boulé. Enfin boulé.
On va rester chez Mélina. On va faire un total Mélina là. Non, je rigole. Le boré pour ma grand-mère. Donc, il en est là. Allez, il rend super bien la caméra. Il est trop beau. En vrai, le bleu est plus vert. C'est plus un bleu canard. Donc, je lui ai offert comme ça le jour de son anniversaire. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que je devais terminer tout. Mais il était pas du tout terminé. Donc, j'ai bien avancé. Il me reste une grosse partie. Mais là, je suis d'une flemme, mais intergalactique pour terminer. J'arrive pas à le terminer. Je sais pas pourquoi. En fait, l'histoire qu'elle est en raccourci et qu'il faut compter du coup par rapport à chaque marqueur, le nombre de mailles et tout, ça me fatigue d'avance. Je trouve toujours une bonne excuse pour pas le faire, mais il va falloir quand même que je m'y attelle. Donc, je pense que c'est ce que je vais prendre pour aller en vacances. Parce qu'en plus, il est assez compact. Et les pelotes, j'ai pas besoin d'en prendre 50 000, comme ce que je vais vous montrer après. Donc mon boré avance petit à petit. Et en fait, je suis super contente du résultat. Et tout le monde a dit, ouais, il est trop beau et tout, quand elle l'a mis. Donc tout le monde a rigolé parce qu'il n'était pas terminé. Et même moi, je l'adore, quoi. Enfin, il va être vraiment super grand. Et donc là, c'est pareil, c'est du cheval blanc de la je sais plus quoi. Oui, voir mon pseudo Ravelry. Voir mon compte Ravelry. Profil Ravelry. Pour voir en quoi c'est fait là, j'ai oublié. Je sais à 200% que c'est de la chevalerie, mais j'ai oublié le nom. Mais bref, et il est vraiment super quoi. Et je crois que je vais me faire un bras aussi après. Pas tout de suite, parce que si là j'ai du mal à en terminer un, je vais pas en faire deux. Mais ouais, je trouve vraiment magnifique quoi. Et elle a adoré aussi, et elle a adoré la couleur. Donc je suis super contente. Mais ce serait cool si je pouvais l'offrir à Noël quand même, donc du coup le 2 janvier. Mais je sais pas pourquoi je le sens pas. Je ne le sens pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec Mélina ou... Ouais. Vite fait. Alors, je sais même pas où on en est parce qu'avec tout ça je suis complètement perdue et j'ai même pas téléchargé les derniers indices. Mais j'ai fait le cal de la chaussette du type en bas. Voilà, donc ça c'est ma chaussette qui vient d'avancer. Donc là je suis arrivée jusque l'indice 3. Il fallait commencer le gousset, j'ai pas encore commencé. Donc voilà, donc en fait son modèle de chaussette, alors je sais pas s'il est paru ou pas, mais moi j'ai décidé de le montrer. Donc en fait c'est toutes des séries de losanges comme ça, avec tous des dessins différents. Alors je sais pas s'il fallait le montrer ou pas le montrer, j'ai même pas prévenu, je mettrais peut-être un encart avant. Moi je le montre parce que de toute façon son cal était gratuit. Je crois que le dernier indice est payant, mais... ceux qui voulaient le voir pouvaient largement aller le voir, et en plus elle donnait des diagrammes, c'est-à-dire que dès lors où on téléchargeait le patron, on savait tout de suite à quoi ça allait ressembler. Donc voilà, moi je le montre, s'il fallait pas, ben tant pis. Donc voilà, donc ça j'ai fait une chaussette, et ensuite je suis allée à Paris la semaine dernière, et du coup dans le train j'avais pris... Caméra, s'il vous plaît, ça veut dire que ça fait une demi-heure que je parle. Mais non, c'est que au départ j'ai filmé pour faire le où je me mets. Et comme j'ai pas le fat boy, j'ai super mal au dos. Et mon fat boy est dans ma chambre sous le lit parce qu'il y a le sapin à la place. Je sais même plus si j'ai déjà dit ou pas, mais bref. Donc, donc je voulais pas particulièrement le faire en fabel. Pas en fabel, mais en moutarde. Mais toujours pareil, j'ai vu que son cal en fait était sorti alors que moi j'étais, je sais pas, dans une autre planète à ce moment-là. J'avais que ça en mini, en laine à chaussettes. Donc du coup bah, j'ai pris ce que j'avais parce que j'avais pas envie d'aller jusqu'à la lainière. C'est assez loin de là où je prends mes cours. Enfin c'est assez loin, mais c'est pas très pratique en fait de là où je prends mes cours. Et la lainière, j'avais pas très envie d'y aller quoi. Voilà. Donc ça je vais le ranger plus tard. Voilà, donc ça je vais les ranger. Donc ça, je pense que je vais avancer dessus quand on partira en vacances dans ma belle famille. Alors dans le train, je vais pas trop tricoter parce que Valérie, on y va en train de couchette.
On y va en train couchette, ouais, jusqu'à Toulouse. Et en fait, ils sont du côté plus de l'eau, vers l'eau, on va dire. Mais en fait, on va en train couchette jusqu'à Toulouse. Et à Toulouse, on passe la journée avec des amis avec qui on est à l'école, etc. Et on dort chez eux et l'on on part dans l'île de copains. Donc, du coup, je vais pas vivre en voiture, et c'est pas non plus trop loin. Et comme on va séparer, on va me chercher, machin. J'ai pas trop tricoté, mais sur le retour, on est en train de jour. Et donc là, ben, je pourrais tricoter aussi un peu plus dans le train. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester dans la moutarde ou on va dans un truc qui n'a rien à voir? Allez, on va dans la moutarde. J'allais parler d'un truc, mais j'en ai limite honte. Mais encore que je raconte ma vie. En fait, avec mon copain, on aime bien, quand on va dans des pays étrangers, ramener... Enfin, dès lors qu'on voyage, en fait, on ramène systématiquement de la nourriture de là-bas. Des bocaux, enfin, des sachets, des, de je ne sais quoi. Enfin, on ramène pas de fric, forcément, parce qu'on peut pas, mais voilà, on achète de la nourriture que les gens mangent. En général, des trucs qui sont pas traduits en français ou en anglais, ou voilà. Et en parlant de moutarde, en fait, la moutarde qu'on achète, on l'achète aux Pays-Bas. Parce qu'avant, on y allait beaucoup plus régulièrement, et mon copain, bah, dans ses déplacements, il a amené à aller aux Pays-Bas. Et aussi, donc, ils l'ont ramené. Et c'est la France Mustard. France Mustard, avec un O, je crois, sur les boîtes de cuve. Et en fait, c'est pas du tout de la moutarde française, mais elle a un goût un peu aigre-doux. Elle est super bonne, quoi. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai parlé de ça aussi? Parce que ça m'a fait rigoler. Parce qu'on a fait donc le tricoté à la maison, là, suite aux attentats, j'avais proposé de faire le tricoté chez moi plutôt que d'aller à la gare Saint-Sauveur à Lille, parce que voilà, j'avais pas très envie d'y aller. Et, bref, chacun ressent les choses comme il a envie, mais moi, j'avais plus envie d'y aller alors que c'est moi qui avais lancé le truc. Donc du coup, on l'avait à la maison, on était 11 et tout, c'était génial, on s'est trop marré, on a passé vraiment une bonne après-midi, une semaine après tous les événements, ça fait super du bien de se retrouver et partager quelque chose, bah voilà, de gai, joyeux et tout. Et donc, dans les personnes qui étaient venues, il y avait Laura, donc utilisatrice 42, qui fait aussi des vidéos sur YouTube, je mettrai sa chaîne en barre d'infos, et il y avait Gwenaël, donc tous les deux venaient de Belgique, donc Gwenaël venait presque de la frontière, on va dire, mais Laura avait quasiment 3 heures de train pour rentrer, quoi. Enfin, 3 heures de trajet, parce qu'elle avait une correspondance, mais enfin, c'était genre un truc de fou, quoi. Je pensais pas que voilà, il y a des gens qui venaient de si loin pour venir chez moi tricoter. Et donc, chacun avait ramené des biscuits et tout. Et quand on est parti, voilà, j'ai fini de débarrasser la table et je me suis rendu compte que Gwenaël avait pas repris ses biscuits. En fait, enfin, sur le coup, je savais pas, mais après, j'ai capté que c'était elle. Parce que bon, elle avait tellement de gâteaux qu'en général, tout le monde a repris ses gâteaux. Ça faudrait. Mais bref, et donc du coup j'ai vu qu'il restait des gâteaux belges, quoi, et ça m'a fait plaisir parce que voilà, c'est un truc vraiment que j'adore manger des trucs d'ailleurs, quoi. Et elle a, donc leur magasin c'est Vélez, c'est comme un espèce de Monoprix, mais c'est plus supermarché Monoprix, quoi, sans le côté déco machin de Monoprix, mais voilà, ça fait des petits supermarchés dans la ville en Belgique. Bon, j'explique peut-être mal, peut-être les Belges vont bondir, mais pour les Françaises, voilà, ça donne un peu ça l'idée. Donc la marque c'est Vélez, enfin, la marque, l'enseigne, et ils ont aussi leurs produits, et donc là elle avait des pavé, elle avait laissé des sablés au caramel là. Oh, mais alors, ils sont trop bons, quoi. Ça fait des gros goûts de caramel croquant dans les gâteaux. Et nous, on n'a pas ça. Hein. Alors, du coup, voilà, ça m'a fait plaisir. Et là, j'ai fini le paquet, je crois. Et chaque fois que j'en prenais pour aller en cours et tout l'après-midi, bah, à chaque fois, je leur conseillais tricoter et tout. Et voilà, enfin, juste parce qu'elle a pas repris, elle avait aussi essayé des cookies cranberry chocolat blanc qui étaient très bons aussi. On a essayé de manger plus avec mon copain à la maison parce que. Puisqu'ils étaient pas emballés, donc du coup je les prenais pas avec moi. Mais voilà, donc tout ça pour vous parler en fait de la moutarde. Et donc je raconte encore ma vie, mais bon. C'est Noël, j'ai dit allez, on fait une vidéo plus cool et on fait ce qu'on veut, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas que d'habitude je me mets la pression pour faire des vidéos non plus. Soit dit en passant. Mais pourquoi moutarde? Eh bien, parce que c'est le retour du filet moutarde. Bon, j'ai eu moutarde, bah, trop rien à dire, j'ai juste fait quelques rangs, j'aime toujours autant, il est toujours aussi beau. Les filles, enfin Audrey et Anto m'ont dit il va être lourd. Et en fait, quand je l'ai. Enfin sur le coup quand je le faisais, je disais ouais il va être méga lourd. En fait quand je le reprends là, il est pas particulièrement lourd en fait. Donc il est juste super. Et puis lui, j'avais fait une grosse boulette dans ses torsades. J'avais fait vraiment une grosse boulette. Et je pense que ça va l'avoir bien repris parce qu'en fait on ne voit plus trop. Mais du coup, j'ai laissé longtemps stand-by voilà, pour faire l'ensemble des Mélina, le truc de ma grand-mère.
Là, la boulette, ça m'a un peu coupé. J'ai fait les chaussettes. Enfin voilà, j'ai fait un peu de tout. Et c'était un peu la misère aussi, parce que dès qu'il y a un truc qui me plaisait plus, je passais sur autre chose. Et voilà, c'est pas bien d'avoir trop d'encours, parce que du coup, on n'arrive pas à se focaliser sur un. Enfin, là, en l'occurrence, j'arrivais pas. Enfin, j'avais envie de me focaliser sur un, mais comme j'avais des impératifs à côté, ben, du coup, j'arrivais pas à me focaliser. Et du coup, ben, ça fait du bloubi-bouga. Et du coup, j'avais plus envie de tricoter. Puis voilà. Donc, mais j'ai vraiment pas beaucoup tricoté en un mois et demi. Hein, j'ai un peu honte. Ah, et en plus, j'ai de la couture. J'avais oublié. En fait, cette vidéo va encore durer 1 heure. Tant pis. Ensuite, pour nous faire tricoter, il y a Xiaowei. Je crois que j'ai bien dit. Sinon, elle ne m'en voudra pas. Qui fait de la teinture, qui s'appelle Sauvel Yarn. Sa marque s'appelle Sauvel Yarn. Sauvel Yarn, je sais pas comment on peut dire. Et voilà, donc s'est lancée dans la teinture, dans les patrons, etc. Elle faisait un concours. Et son concours se terminait fin novembre. J'ai joué à l'arrache. J'ai joué le samedi soir, j'ai dit ouais c'est vrai, il y a ce concours là, qu'est-ce que je fais, je le fais, je le fais pas. Et j'ai dit allez, je vais le faire. Donc c'était samedi, genre ça finissait à minuit, j'ai dû jouer à 20h. Et en fait j'ai gagné. Et dimanche soir, elle m'a dit ouais, j'ai ben, là, t'as gagné. J'étais super contente, mais vraiment, voilà, elle me demande mon adresse ben, pour m'envoyer le lot. Et en fait, à mon adresse, elle dit hey, mais t'es de Lille en fait. J'ai dit bah oui. Et elle aussi. C'est pas énorme. Parce qu'on s'était jamais parlé avant, enfin voilà quoi. Et donc du coup, elle est venue tricoter pour me faire une remise à ma prof. Je lui ai dit, ça sert à rien de me l'envoyer, alors que tu vois, d'ici une semaine, on peut être en tricoté ensemble. Enfin, d'ici 15 jours, je crois que c'était 15 jours ou 3 semaines, mais bon, je lui ai dit, c'est pas grave, hein, attends, et puis. Voilà, donc je vais reboire un peu de café. Puis je me suis dit, je mets du. Je sais pas, il n'y a pas de moustache, le café. Je me suis dit, je mets du rouge à lèvres ou pas? J'en ai mis quand même. Et en fait, il tient méga bien, c'est un L'Oréal en vernis là. En vernis, c'est du vernis à lèvres, je crois, ou lac de lèvres, je sais plus, mais il ressemble un peu à un tube de vernis, L'Oréal. Super. Donc, du coup, son lot, c'était le patron du bonnet qu'elle sortait, parce qu'elle faisait un câlin en même temps. Son bonnet s'appelle Au Soleil. Voilà, donc là c'est Xiaobé, je vous la présente. Voilà, donc c'est un bonnet texturé. On le voit mieux ici. Et on le voit encore mieux là. Donc le lot c'était donc le patron du bonnet et deux échevaux pour faire le bonnet. Donc j'ai pas choisi les couleurs. Donc là il y a un rouille et un espèce de gris bleu. C'est de la light fingering. Et quand elle m'a donné le paquet, donc c'était au tricoté, tout le monde était là. Et franchement, j'ai fait mais oh la laine d'une douceur, mais un truc de fou quoi. Et ce que j'ai adoré aussi, donc là ça se voit moins parce qu'ils sont en écheveau, mais la subtilité des couleurs, enfin je m'attendais pas à. Allez, je m'attendais pas à avoir cette laine de qualité en fait, quoi. Enfin, d'avoir. Je sais pas si on pourra se rendre compte à quel point ça peut être doux, mais j'ai adoré. J'ai vraiment craqué sur sa laine. En plus, c'est de la light fingering, donc du coup, c'est extrêmement fin, c'est extrêmement fileux. Enfin, fileux. C'est vraiment c'est super agréable à tricoter. Allez, je vais me poser pour essayer de bouger. Allez, voilà. Donc ça, c'est un gris bleu qui est absolument magnifique. Vous voyez la brillance et tout. Enfin, un truc de dingue, quoi. Vraiment, je ne m'attendais pas à cette qualité, quoi. Et super. Franchement, super. À tricoter, c'est un bonheur. Ça glisse tout seul. C'est du 100% mérino. C'est même pas du mérino et soie. Alors que franchement, on dirait qu'il y a de la soie dedans. Mais en fait, pas du tout. J'ai. Le tricot est une souplesse, mais un truc de fou. C'est gros coup de cœur, quoi. Franchement, gros, gros, gros coup de cœur pour ce qu'elle fait. Parce qu'en plus, je trouve que voilà, ces couleurs, elles sont supralumineuses. Alors, moi, je suis pas fan du chaud et du froid mélangés.
Après, on me l'a offert, donc je vais pas faire la fine bouche, mais je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, je trouve que les deux ensemble, c'est juste. C'est juste super beau, quoi. Là, est-ce que ça va faire encore une poupée? Voilà, et je trouve que. Ouais, je trouve que c'est vraiment super. Alors, elle m'avait dit qu'il était un peu loose, etc. ici. Ouais, donc moi j'ai fait la taille en dessous, mais j'ai fait avec les aiguilles 3,25 au lieu de 3. Donc du coup, je pense que l'un dans l'autre, on est bon. Et c'est super agréable. C'est d'une douceur, mais un truc de fou. Donc je pense que quand je vais laver, ça va être encore mieux. Le modèle est super beau. J'ai adoré aussi. Ce que j'ai adoré dans son modèle, alors autant celui de Mélina là, j'adore ce double bord-côte, enfin voilà, qui fait vraiment bonnet hiver. Là, on est plus sur un bonnet demi-saison. Hein. Cassis-neige, personnellement, je ne mettrais pas ça. Voilà, c'est vraiment un bonnet plus pour mettre avec une tenue que voilà, pour faire joli. Plutôt qu'utile, je pense. Parce qu'il n'est pas. Enfin voilà, le fait qu'il soit un petit, il a un peu des. Voilà, on voit un peu à travers. Ouais, gros coup de cœur, gros coup de cœur pour cette laine. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ce que j'aime beaucoup, alors en fait j'aime bien tout ce qui est donc des bords en côte. Pour les bonnets, je trouve ça bien, mais c'est un peu trop vu quoi. Et en fait là, les côtes c'est des torsades. Bien sûr, il vient se mettre là, mais les côtes c'est des torsades. Et du coup, je trouve que ça change énormément aussi. Fait du bien de voir autre chose. Voilà, après, en termes de pénibilité à faire, j'ai cru mourir 20 fois. Là, je suis contente de l'avoir bientôt terminé. J'ai envoyé des textos à Audrey et Anne-Sophie en disant j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. En fait, tout ce système-là de mailles glissées. En fait, c'est des mailles glissées, mais quand on fait, ça s'apparente à une torsade. Et du coup, c'est comme si vous faisiez 30 torsades à la suite par tour. Genre, j'ai compté, hein, ça fait 35 torsades. Et donc, du coup, enfin, voilà, à faire, moi, c'est super bon, quoi. Alors, Chloé, elle m'avait dit, ouais, tu verras, ça ira assez vite et tout. Alors, pourtant, mon copain qui ne se met jamais de tricot m'a dit, purée, mais tu vois pas le temps que tu passes pour faire un bonnet. Mais oui, je sais, c'est très long. Mais ça vaut le coup du temps passé, quoi. Donc voilà, donc elle va refaire des ventes bientôt. En plus, donc moi je lui ai dit que je voudrais bien des laines comme ça. Enfin, je voulais que voilà, elle m'a proposé voilà si je voulais des coloris particuliers. Donc moi je lui ai dit que je voulais bien ce coloris-là pour faire un châle. Donc je sais pas si vous avez un châle à me conseiller unicolore. Ouais, unicolore. On dit jamais en fait unicolore, on dit toujours uni. Non, unicolore. À me proposer pour aller avec ce bonnet. Donc un truc pas trop texturé. Enfin texturé, mais voilà, juste ce qu'il faut. Voilà. Donc elle m'a proposé de refaire le coloris. J'aimerais bien faire en déca un peu plus épais. Parce que c'est vrai qu'à assortir, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais j'adore. J'adore la couleur. Voilà, mais alors là je me suis trompée à la fin, j'ai sauté des lignes hier, je regardais une émission là, à la télé et du coup j'ai pas bien fait l'émulsion, donc il faut que je trouve une bidouille pour attraper mon nombre de mailles sans que ça se voit trop, mais je pense que ça se verra pas trop, mais j'en ai marre de faire des bêtises comme ça, bébêtes, et comme il y a des histoires de mailles ensemble et tout, ça m'embête de tricoter, de détricoter. J'avais dit qu'il fallait qu'à 10h15 mais si j'ai fini. Mais bien sûr, carrément. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu de couture. Bon, non. La couture, je vous montrerai. En fait, j'ai commencé une jupe Pixa. Je vais vous la montrer, mais vraiment vite fait. J'ai commencé une jupe Pixa de Anka Couture. Donc voilà. Moi, je l'ai fait noir avec le milieu en un peu. Tissu africain, un peu, enfin ouais, ethnique africain. Donc du coup j'aime beaucoup. Je l'ai pas terminé, donc
Pour moi, en tout cas, elle est super facile à faire. J'ai acheté ma fermeture éclair, je l'avais perdue, mais je l'ai retrouvée. Donc voilà, il ne me reste pas grand-chose à faire, hein, monter la fermeture et faire les ourlets en haut ou en bas. Mais je pense que je vous la montrerai quand elle sera terminée. Je voulais peut-être même la prendre pour Noël, mais j'aurais pas le temps. Donc voilà, je la plie et je lui dirai dans 15 jours. Hein. Vous avez vu mes belles bouclettes? Là, elle a bien fait. Hein. Toujours les bouclettes, toujours. Donc voilà, bon, là on va dire qu'on a vu tout ce qu'on devait voir. Brièvement, on va continuer. Donc, Anso, lors de sa dernière vente de bilettes, je lui ai pris de la laine H7 dans mon clutch. Donc ça, j'hésite grandement à me le mettre en cake et à partir avec en vacances. Elle est juste trop belle cette laine à chaussettes quoi. J'adore, 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 j'adore. Donc ça c'est pour faire les bouts des orteils et les talons et les pouces. Donc j'adore, j'adore. J'avais été déçue de ne pas en avoir la première fois, mais heureusement la deuxième vente où elle en a refait, j'en ai eu. Donc voilà, donc ça j'ai pris, j'ai acheté. Ensuite, donc mes projets, quand ils seront terminés les autres, hein, parce que moi j'ai envie de les terminer. Je finis avec Enzo et après il y a une info Hedgehog apparemment. Donc, ensuite j'ai acheté de la laine encore à Judette, ça c'était lors de sa première vente, mais j'avais jamais présenté, qui s'appelle Ma chère Hélène. Il est écrit comme ça. Ma chère Hélène. Ma chère Hélène. Donc là c'était du DK et ça je voudrais faire un Moroccan Nights. Moi j'aime bien quand c'est très serré et tout. Donc voilà, donc je suis super contente. Donc il y a 225. Mais en fait j'en aurais pas assez pour faire un Moroccan Nights encore. J'ai fait du bébête encore. Bon enfin bref, donc de toute façon je pourrais forcément quelque chose à faire avec. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Donc au pire, voilà. Je décore à l'ouest moi. Je regarde mes traits parce qu'il me semble que... Alors, ensuite... lors de sa dernière vente, j'ai eu un craquage. Donc celle où j'ai acheté ça, j'ai aussi craqué sur ça. Bien sûr, on voit que l'étiquette. Voilà, c'est dégradé là. Donc il y a un bleu clair. Un violet clair et un violet foncé. Alors pour moi c'est du violet. Hein. Ça c'est un peu violet gris. Donc ça c'était son coloris chlorophylle. Mais chlorophylle. Voilà. Pas chlorophylle. Chlorophylle. Voilà. C'est de la fingering merino. Oh, elle est pas trop belle. Et alors quand je l'ai mis à côté des deux autres, mais alors c'était le coup de cœur. Mais je sais pas, ça ressort. Voilà, là c'est plus dans les couleurs. Donc ça c'était le coloris limo bleu. Donc qui pour moi est un violet gris. Et ça c'est au fond des abysses. Qui est un aubergine foncée mais un peu gris aussi. J'ai une illusion un peu d'optique et c'est vrai que selon les endroits où on les regarde, c'est vrai qu'on voit des sous-teintes de bleu. Et en fait je lui ai dit mais ceux-là ils vont trop bien ensemble, et elle m'a dit mais c'est normal, c'est la même couleur, c'est juste que celui-là il a trempé plus longtemps que celui-là. Donc du coup j'étais super contente. Et ouais, alors après quand j'ai mis celui à côté, j'ai fait mais oh c'est trop beau, ça donne un peu la couleur gay. Et en fait, je vais faire un ravelo avec. Parce que je voulais absolument faire un pull de ces trois couleurs-là. Donc en fait, elle nous avait montré un peu les couleurs qu'elle avait.
enfin voilà, entre nous quoi, parce qu'on se voyait le midi pour manger à 3, et sa monte était le mercredi, on s'est vu le lundi, et donc tout le lundi, mardi et mercredi, j'ai cherché un pull avec 3 couleurs en me disant « Ah, il faut absolument que je les ai, il faut que je les ai, il faut que je les ai, il faut que je les ai ». Donc voilà, j'ai cherché un pull à 3 couleurs, et des pulls à 3 couleurs, en fait, finalement, il n'y en a pas tant que ça, et même des adaptables, donc du coup, je suis partie sur un Ravelo, et ça tombe bien parce que j'aimais bien. Donc du coup, j'ai de quoi le faire. Voilà. Ensuite, on repasse à la laine à chaussettes. Et ça, c'est tellement vieux, ça date du mois d'août. Il me fait mais trop la rage dans ces podcasts, quoi. On avait été à la cabane tricotée, faire le premier tricoté des Brilloises, là. Et j'avais acheté... Ah, voilà. De la Hedgehog Fibers Sock Yarn. Donc c'est de la laine teinte à la main. Et donc, comme vous voyez là, vous voyez un bleu électrique. Hein. On est d'accord. Bah, en fait, quand vous le mettez à la lumière artificielle, c'est un violet, mais un violet électrique. C'est une couleur trop trop bizarre. Donc en fait, moi je pensais avoir acheté un bleu nuit. Parce qu'en vérité, quand on le voit comme ça, il fait bleu nuit. À la caméra, il fait bleu électrique. Et quand je suis rentrée chez moi le soir, c'était un violet électrique. J'ai fait « Oh !» Trop chelou. Bref. Là-dedans, j'avais vu des petits éclats à vous montrer de rose en fait. Je n'y vois plus. Peut-être là, vous verrez. Non, mais tout ça. Enfin voilà, là on voit que c'est un peu plus clair. Et voilà, on voit qu'il y a des éclats de rose un peu comme ça. Mais dis donc, deux fois que ça coupe aujourd'hui, c'est vraiment que je parle beaucoup. Voilà, donc là on voit encore des éclats de rose, mais c'est très léger. Hein. Il y a beaucoup moins d'éclats que par exemple que dans le. Ah, il est là. Que dans le. Morocco Nights qui est en train de faire en dessous. Voilà. Donc moi je vais en faire des chaussettes. Hein, clairement. Donc voilà. Je pense repartir sur les cotes des chaussettes de Mélina et faire un fit slips qui seal. Voilà. Et rajouter un petit motif vu que c'est de la laine unie. Enfin, en tout cas c'est génial. Et ce que je voulais dire c'est que donc, les filles sont allées en tricoté. Samedi, moi j'étais pas dispo vu que j'ai toutes mes activités de musique aussi. Donc je suis pas souvent dispo. Et j'ai pas de métrage. Et donc Hedgehog arrête sa sock yarn. En fait ils ont changé des. Apparemment la qualité de la sock yarn. Et donc ah, il est là. 350 mètres, 100 grammes, 90 super wash merino, 10% de nylon. Voilà, donc il y a très peu de nylon, c'est pour ça qu'elle est très douce. Je sais pas la nouvelle composition, si c'est toujours du 90-10 ou s'ils ont augmenté la composition de nylon. Apparemment, c'est une histoire avec leur chaîne de fabrication, etc. Mais les métrages ont changé, ils sont plus sur du 350 mais pas sur du 400 mètres pour le même prix. Donc c'est la compensation. Par contre, les filles avaient l'air choquées. Et on parlait, enfin voilà, on est sur un petit groupe des Lilloises, je sais pas, beaucoup entre nous quoi. Et apparemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rêche. Et voilà, et c'était quand même très déçu de la part des jogs. Donc la dame de la cabane, elle en a plus, on voit bien la rose, elle en a plus de cette version-là, mais apparemment dans des boutiques. Vous voyez là l'éclat de rose. Hein. Dans les boutiques parisiennes, il resterait des échelons de 350 mètres. Donc voilà, donc si vous avez des échelons de 350 mètres, c'est la bonne version. Si vous passez sur du 400 mètres, c'est la nouvelle version et ça va être un peu plus riche. Donc c'est bon à savoir si vous passez des commandes en ligne. Voilà, ça c'était le coloris Spell. J'en suis super contente. Enfin, j'ai hâte de faire mes chaussettes avec et je pense que ça va être méga doux. Parce qu'en plus, vendredi matin, j'ai un cours de théâtre. On se les peine. On est sur le plateau dans une douce, un immense hall et il ne s'est pas chauffé la nuit. On arrive le matin, il fait 15 degrés. On est obligé d'être à pied de chaussettes pour faire des exercices. Il y en a même qui font des trucs pieds nus. Moi, je sais pas comment ils font. Moi, j'ai deux paires de chaussettes et j'ai encore froid. Donc, j'ai hâte d'avoir mes grosses chaussettes en ligne. De quoi qu'est-ce que je vais vous parler? Allez, pour finir, je vais faire une petite. Petit clin d'œil à tous ceux qui me suivent sur Instagram. On avait parlé des gâteaux, c'est pour ceux qui vont jusqu'au bout.
On avait parlé des gâteaux, voilà, donc avec mon copain, on avait acheté plein de gâteaux qui rappelaient notre enfance, notamment des animaux, de dinosaures, des animaux. Ouais, des animaux après de Cadbury. On a acheté des dinosaures. C'est lu, je crois. Enfin, non, c'était lu. Des petits écoliers. On a acheté quoi d'autre encore? Des kangous, là. Kangous. Oh, trop bon aussi, ça. Donc, plein de trucs comme ça. Mais trop, trop bon. Et un jour, j'avais vraiment faim. Et donc, je suis partie acheter des gâteaux. Voilà. Parce qu'en plus, à la maison, on commençait à voir la boîte qui se vidait. Et je suis retombée sur des gâteaux. Je les ai pris un peu par hasard. Je sais pas, ils m'ont inspirée. Alors, peut-être que si vous avez des enfants, vous connaissez. C'est très malade. Moi, je ferais comme pas les rayons de biscuits enfants, quoi. Enfin, enfants. Même biscuits en général, voilà, on prend toujours les mêmes. Mais là, je sais pas, ils m'ont interpellée, mais je pense que c'est pas très très vieux. Et ils sont mais tellement bons, tellement 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 bons. C'est les, donc c'est par Saint-Michel, donc ceux qui font les galettes, c'est des tranches de cake. Voilà, et donc c'est un petit bonhomme comme ça. Et dedans, je vais l'ouvrir. De toute façon, je mangerai cet après-midi. C'est mercredi, c'est la journée des enfants. C'est un gâteau. Ça ressemble un peu au gâteau Ikea. Je sais pas si vous allez voir. Avec du chocolat en dessous, mais qui est juste trop bon. Et ça a le goût un peu d'avoine, de... Oh là là, quelle odeur! Mais quelle odeur! J'ai découvert ça il y a 15 jours à peu près. Et c'est ma folie, quoi. Ils sont super bons. Alors, par contre, pour les enfants, je trouve ça un peu cher. Hein. Saint-Michel. Bon, enfin, en même temps, moi je dis ça, mais je me rends pas compte. Mais je pense que, voilà, ceux qui ont 3 enfants qui donnent un goûter tous les jours, ça vient cher les gâteaux. Mais alors, ils ont une odeur, mais ils sont tellement, 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 tellement bons. Alors, franchement, allez acheter ces gâteaux-là, même pour tricoter avec un chocolat chaud en hiver. Voilà, ils ont goût de gâteau de Noël, un peu d'hiver, réconfortant, enfin tout ce qu'on veut. C'est juste une tuerie. Voilà, donc pour toutes les amatrices de gâteaux, biscuits, en tout genre. Parce que là, j'ai l'impression qu'avec mon copain, on redevient fan de tous ces biscuits-là. Donc, comme moi, je pars, je vous l'expliquais, donc je pars tous les après-midi. Donc en général, je me prends un petit goûter vers 4-5 heures. Parce qu'après, pour jouer jusqu'à 21h, bah, mine de rien, ça demande de la force. C'est pour ça que j'avais dit que j'ai mal à l'air en fait. J'avais beaucoup joué la journée et du coup la respiration a du mal un peu à se réenclencher quand. Enfin, moi, quand moi je joue beaucoup. Voilà. Donc, mais. Voilà. Pour reprendre des forces, ça c'est juste. Oh là, mais l'odeur, Enfin, c'est juste trop trop. Donc, c'est les tronches de cake par les Saint-Michel. Et c'est même. Enfin, eux, ils sont pas comme les granola. Hein, parce que le granola ils se mettent des paquets de 6 et du coup t'as mangé les 6. Et là j'ai vu que les granola, franchement mais. Et donc granola maintenant ils emballent par 3, donc c'est quand même carrément mieux. Et eux ils en mettent qu'un dans leur paquet. Donc au moins c'est bien parce qu'on en mange qu'un et on n'est pas tenté d'en prendre un autre. Et voilà, c'est le petit plaisir. Oh, franchement je ne fais que le sentir, mais achetez-en, vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi. C'était quoi ça? Pourquoi? La meuf elle dit 20 fois pourquoi. Il est 11h moins le quart, je n'ai strictement rien fait, je n'ai même pas fini mes exercices pour cet après-midi. J'ai raté Desperate Housewives. Et il va falloir que je mange tout mon bazar. Ouais, ça m'a fait super super plaisir bah, de tourner cette vidéo quand même. Parce que ça prend du temps de faire. Enfin, moi, après chacun son organisation, mais moi du moins ça me prend. Je le fais volontiers, enfin voilà, régulièrement. Je pense que nous nous retrouverons la première semaine de janvier ou la deuxième semaine de janvier parce que vous l'avez compris que pendant les vacances c'est mort et j'aurai au moins le bonnet à vous présenter terminé et ensuite j'espère les chaussettes aussi j'espère et ça j'aimerais beaucoup avancer dessus parce que j'aimerais récupérer mon câble pour lancer sur les autres projets. Voilà, j'ai encore parlé des trucs à la fin. À mon avis, je vais couper ce passage, on verra. Mais... Voilà, bon bah écoutez, sur ce, mon rouge à lèvres est un peu parti quand même, hein, mais bon. J'espère que j'aurais pas.
de moustache. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, de Noël, de Nouvel An. Faites bien la fête, modérément. Moi, j'ai pas trop de foie gras, de machin, parce qu'après, tout ce qu'on aura à tricoter, il faudra tout détricoter pour faire plus grand. Non. mais bon. C'est vrai qu'on se gave un peu, hein, en fait, de fin d'année. Donc, certains là, moi je sens particulièrement mal cette année vis-à-vis de la nourriture. Mais bon, donc voilà. Profitez en tout cas de tous ces moments-là. Profitez des vacances parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent au moins 4 jours des vacances entre Noël et Nouvel An. Donc, bah, écoutez, profitez de tout ça. Profitez de tout plein de moments, de votre famille, de faire des choses qui vous font envie, de faire des tricots qui vous font envie, d'avancer aussi un peu sur les boulets. Hein. On va pas le mettre en résolution, mais. D'avancer sur les boulets, sur les tricots boulets, hein, je voulais dire. On va pas le mettre dans les résolutions, mais c'est vrai que ça serait bien qu'on y pense. Et puis bah voilà, sur ce, et bah, je vous dis à l'année prochaine, et puis je vous souhaite plein de bons projets. Salut!